Salut, c'est Rimé. On se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va créer un effet de coup de feu, un muzzle flash. Et le but du jeu, ça va être d'en créer un qui soit adaptable à différents projets et à différents styles graphiques, à différentes armes à feu aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement y intégrer de nombreux paramètres qui vont gérer notamment le délai entre deux coups de feu, la taille, la couleur, etc. Ça va être relativement simple, peut-être un peu long. Et pour ça, on va utiliser quatre textures. Donc deux textures que j'ai créées et qui seront dans la description. Donc celle-ci, qui est un dessin rapide qui va nous servir à créer les premiers flashs. On va utiliser cette texture pour créer de la distorsion sur la première texture. Et enfin, on va utiliser aussi deux autres textures qui, elles, sont fournies dans le starter content du jeu. Donc vous pourrez les retrouver dedans et les migrer dans votre projet. Si besoin, j'ai créé un tuto pour pouvoir faire cette manipulation. Vous le trouverez sur ma chaîne. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer le premier matériel et les premiers émetteurs du système. On va ensuite intégrer ça dans un blueprint. On va se baser sur le first person shooter. Et ensuite, dans un deuxième temps, on embellira l'effet en rajoutant d'autres émetteurs de manière à ce que ça soit plus sympa. Allez, on commence. On va créer le matériel. Donc M, on va appeler Flash. On va faire simple, hein. Vous allez voir, les matériaux vont être relativement simples. Dans ce tuto-ci, ça va être plus au niveau du timing et de l'assemblage des émetteurs que ça va être un peu plus complexe. Voilà, on va se mettre en Translucent. Translucent et en Unlit. Voilà. On va se brancher sur un Particle Color. Qui est ici. On va multiplier ça par une certaine valeur. On copie et on colle. Et on va venir se brancher sur l'opacité. Et on va prendre l'opacité de la particule pour se brancher ici de manière à pouvoir la gérer directement depuis le système. À ça, on ajoute un texture sample. On va brancher le canal rouge sur les deux. Et on va venir chercher ici la texture du flash. Qui est là. Voilà. Ça. On le branche à texture coordinate. Et vu que vous connaissez maintenant ma manière de travailler, vous vous doutez que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une distorsion. Voilà. À ça, on va brancher un painter pour justement amener un petit peu de mouvement. On va lui donner une vitesse de 2. Et on va se brancher un texture sample qui nous servira à créer cette distorsion. On va prendre le Fire Distortion, qui est là. On va multiplier cette valeur de manière à pouvoir l'adapter à l'autre image pour éviter que ça déborde, par exemple. Et pareil, on veut décaler la texture uniquement sur l'axe X et surtout pas sur l'axe Y. Donc, on va brancher ça sur un Happen Vector. Comme ça, nous avons l'axe X ici et sur l'axe Y, on va venir brancher une constante qui sera égal à 0. Et on vient se remettre ici. Et voilà. Et là, donc, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. On a la texture qui réapparaît là. Donc, si je mets 0,55, voilà. Vous voyez, la texture, elle s'arrête juste avant, elle ne revient pas ici. Donc, c'est bon. Notre matériel est validé. On sauvegarde. On peut fermer. On va maintenant créer notre système Niagara. On va prendre un émetteur déjà existant. On va pas s'embêter. On va prendre directement le Dynamic Beam. Ça va nous faire gagner pas mal de temps. On va l'appeler Muzzle Flash. On ouvre. Alors, on va le renommer Flash 01. Pourquoi j'ai choisi le Dynamic Beam et un ruban? C'est simple. En fait, le ruban, ils ont une particularité, c'est qu'on positionne les particules comme on veut. Et ensuite, le ruban va se faire le long de ces particules-là. Donc là, on va utiliser deux particules. Une pour positionner un point de départ et un point d'arrivée. Ça va nous permettre de placer le ruban dans l'espace exactement comme on veut. Le point de départ sur l'arme à feu, le point d'arrivée selon un certain angle autour, une certaine position autour. Et ensuite, le système va se débrouiller tout seul pour toujours orienter le ruban pour qu'il soit le mieux visible possible par la caméra. Et ça va nous faire gagner un certain temps parce qu'avec un sprite, par exemple, on donne uniquement la position du pivot, et ensuite il va s'orienter aussi vers la caméra, mais il va tourner aussi sur lui-même, ce qui peut être problématique. On peut gérer ça manuellement, mais souvent le résultat il n'est pas aussi bon qu'avec un ruban. C'est pour ça que je vais faire comme ça. Voilà. Alors,
Au niveau du loop behavior, on va rester en mode infini. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ici le délai entre deux coups de feu. Ça, on va devoir le recevoir depuis le blueprint. Donc, on va créer un nouveau paramètre de type float qu'on va appeler délai. Ce délai, on va venir le brancher ici. Et imaginons que vous vouliez créer une arme à feu un peu particulière avec, par exemple, un délai entre deux coups de feu qui varie lorsque l'arme elle chauffe, imaginons, par exemple. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça dans beaucoup de jeux, mais ça pourrait être intéressant. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalculer ce délai à chaque frame. Ce qui veut dire que si depuis le blueprint, pendant que vous êtes en train de tirer, vous décidez de faire varier le délai, et bien ça va se mettre à jour. Au niveau du paramétrage du ruban lui-même, on va vouloir travailler dans du local, avec des coordonnées locales, pas des coordonnées dans le world. Donc, on décoche ça. On ne touche pas aux valeurs parce qu'on s'en moque, on va gérer ça nous-mêmes, notamment le beam hand. Le beam start, on va laisser sur la position de la simulation. Voilà, maintenant on va initialiser notre particule. Le lifetime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une durée de vie aléatoire, de manière à ce que le schéma ne se répète, ne soit pas trop répétitif. Seulement, si on donnait une valeur aléatoire à la particule, on pourrait se retrouver avec une durée de vie différente entre la particule 1 et la particule 2. Ce qu'on veut surtout pas, ça nous donnerait un effet extrêmement bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à jour, mais depuis l'émetteur update, de manière à ce que chaque particule composant un ruban ait la même durée de vie, que toutes les particules composant un ruban aient exactement la même durée de vie. Donc on se met dans l'émetteur et on va créer un paramètre de type float qu'on va appeler random lifetime. Voilà. Et on va venir le mettre à jour ici. On va lui donner une valeur aléatoire. Donc là, je travaille sur UE 4.26. Si vous travaillez sur une version plus ancienne ou une nouvelle version, je ne sais pas, plus tard, tout ce que je veux là, c'est avoir un float aléatoire. Donc par exemple, sur la 4.25 et celle d'avant, ça s'appelle uniform. Donc là, vous pourrez mettre cette recherche-là. Donc 0,12, 0,17, on veut que ça soit uniquement au moment du spawn. Et voilà. Et ici, on va venir brancher cette valeur-là. Voilà, le reste, nous n'en avons pas besoin. Et le beamWidth, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi un nouveau paramètre qu'on va appeler width. C'est bizarre. Voilà. Nous allons initialiser tout ça. Le délai, on va le mettre à 0,25. Et la taille, on va la mettre à... On verra bien. À mon avis, je devrais changer, mais on va laisser comme ça. Voilà. Au niveau du ribbon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va venir chercher notre flash. Voilà. Donc là, il est en train de se préparer. Vous voyez, on a un résultat. Au niveau de la couleur, on va créer un nouveau paramètre, type float aussi, qu'on va appeler color boost. Et on va créer aussi un autre paramètre qu'on va appeler color. Color. Voilà, on va venir brancher la couleur ici. Et sur le scale color, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de type float. Et on va créer une courbe. On va la laisser comme ça, on va juste changer sa forme pour que l'intensité diminue très rapidement. Et au niveau de la valeur, l'échelle de cette courbe, on va mettre le color boost. Et au niveau du scale alpha, on va laisser comme ça. La seule chose qu'on va rajouter, c'est au point de départ, on va aussi mettre un alpha à 0. Et on va, voilà, modifier la courbe et on va laisser ça comme ça. On va initialiser ça. La couleur, on va mettre une couleur jaune, un peu orangée. Et le color boost, on va le mettre à 200 par exemple. Vous voyez, hop, on a un premier flash comme cela. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier la taille de ce flash. Pour ça, on va aller chercher donc la position des particules. C'est ici. Voilà, on va mettre à jour ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier un vecteur par un float, comme ça on va choisir quelle valeur on veut modifier. Et là on va modifier dans la profondeur. Il faut savoir que la manière dont on va positionner l'effet, l'axe Y sera la profondeur. Donc on va décaler sur le côté et en profondeur.
Et au niveau du float, on va créer une courbe. Cette courbe, on va la faire dépendre du link order. Voilà. Et on va la mettre au départ à 0 et ensuite à 1. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première particule qui correspond à celle du point de départ, on ne va pas la bouger. Et la deuxième particule qui correspond au point d'arrivée, elle, on va la bouger. Et sur le scale curve, ici, on va recréer une nouvelle courbe par-dessus, qu'on va mettre à 0, à 0, et celle-ci à 1, en lui donnant une valeur comme cela. Et au niveau de l'échelle, on va créer un nouveau paramètre qu'on va appeler power. Power, pas power. Voilà, qu'on va venir brancher ici. Et cette valeur, on va lui mettre, on va essayer 20. Tiens. Et vous voyez, on a un flash. Voilà, et vous voyez, le ruban, il essaie toujours de se mettre dans l'axe pour qu'il soit visible depuis la caméra. On copie et on colle. On va l'appeler flash 02. On va pas changer grand-chose, on vient juste ici. Et ici, par exemple, on va le faire aller de l'autre côté. Voilà, vous voyez, maintenant, on a les deux côtés. Voilà. On copie les deux et on colle. On vient se remettre ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 0. Ici, on va mettre moins 1. Et sur celui d'avant, on va mettre 0 et on va mettre 1. Et si vous regardez maintenant, vous voyez, voilà, on a notre premier coup de feu. À mon avis, les valeurs sont trop élevées. On va récupérer ça après. Ah oui, autre chose que je n'ai pas dit, ce que je vous conseille avant de passer au blueprint, c'est de décocher le motion blur. Voilà. Je préfère sans. Après, vous pouvez le laisser si vous préférez. Alors, maintenant, on va s'occuper du blueprint. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un contenu déjà créé et je vais prendre le. Pop, 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 il est où? Le first person. Voilà. Je vais first person BP et je vais aller chercher celui de l'arme à feu. Voilà, Event Graph. Voilà. Alors moi je vais retirer ça parce que je vais utiliser la touche Action, qui est le clic de la souris. Et je vais venir tout de suite placer mon système sur l'arme à feu. Donc je clique sur l'arme à feu. J'ajoute mon système Niagara, que je vais appeler Mother Flash. Et ici, je vais prendre mon Mother Flash. Voilà. Ah oui. Non. Attends, non. De cliquer sur le local space. Voilà. Donc, du coup, il faut le faire 4 fois. C'est dommage. Et voilà. Ah, c'est bien mieux. Quand on va trop vite. Alors, on va venir le placer. Oula. Bien au centre de notre arme à feu. Tac, 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 tac. Juste à la sortie du canon. Voilà. Alors, on va laisser comme ça. On va retirer le auto-activate. Et dans l'event graph, on va diviser tout ça. Le action fire, on va l'éloigner et le débrancher. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un custom event que je vais mettre fire. Venir brancher ici. Voilà. Ensuite, on va créer une nouvelle variable que je vais appeler bFiring pour savoir si nous sommes en train de faire feu ou non. Et nous allons checker cette variable. Voilà. On va le relier sur un branch. Si cette valeur est bonne, alors on va se mettre sur un sequence. On va venir se brancher ici.
On fera quelques petits trucs qu'on va rajouter après. Si cette valeur est vraie toujours, on va ajouter un délai. Délai, donc nous allons créer une variable qui fait cela, qu'on va appeler délai. On compile de manière à lui donner une valeur. Nous allons mettre une valeur de 0,2. On va laisser comme ça. Et on va rappeler notre événement fire. Pourquoi? Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à continuer de te faire feu tant qu'on garde le bouton appuyé. Pour faire ça, il va falloir commencer cette boucle-là à un moment donné. Et ben, c'est tout bête. On va l'appeler ici lorsque on fait feu. Il va falloir évidemment mettre une valeur positive au fire. Firing. Et lorsqu'on relâche, eh ben on va tout simplement lui mettre une valeur fausse. On va le mettre sur faux. Voilà. Alors, il va y avoir d'autres choses à faire. Donc, du coup, si cette valeur est fausse, nous allons désactiver notre effet. Voilà. Et il va falloir l'activer à un moment donné. Nous allons le faire ici. Donc, flash set parameter. Il s'appelle user delay et la valeur correspondra à celui-là. Voilà, et ensuite on vient se brancher ici. Donc, si je récapitule, lorsque l'on clique, nous activons l'effet. On va le reset d'ailleurs. Nous mettons à jour le délai. Donc ça, si vous voulez créer une arme à feu avec un délai qui varie durant le coup de feu, il faudra venir la mettre à jour ici, par exemple, avant de rappeler le fire. Nous mettons la valeur à jour de ce booléen pour dire que nous sommes en train de faire feu et nous activons la boucle de tir. Cette boucle, elle vérifie si nous sommes toujours en train de faire feu, c'est-à-dire si nous n'avons pas désactivé l'effet. Si nous avons désactivé, on arrête de tirer. Sinon, on lance le coup de feu, l'animation, le son, etc. Et au bout d'un certain délai qui correspond au délai entre deux tirs, on recommence. On va voir si je n'ai pas fait d'erreur. Nous allons le mettre en world setting sur le First Person Game Mode, on lance, pas comme ça, comme ça. Et voilà, vous voyez, donc si j'appuie, ça lance le coup de feu. Et si je reste appuyé, vous voyez, on fait feu, tout pareil. Donc voilà, cette première partie est terminée. Dans la deuxième, on va juste améliorer notre coup de feu. Donc, dans cette deuxième partie, on va rajouter trois émetteurs qui vont nous permettre d'améliorer un peu cet effet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer deux nouveaux matériaux, enfin un matériel et un matériel instance, qu'on va appeler mFire. Vous allez voir, il va être très simple. On va le mettre de type translucent et unlit aussi. On va venir se brancher sur le particle color. Comme pour la fois d'avant, on multiplie. On va brancher. On colle, on copie-colle, on vient se brancher, on vient se brancher ici. On prend un texture sample, le canal rouge, brancher ici, je vais récupérer ma texture de feu qui est ici, je vais transformer ça en un paramètre que je vais appeler texture qui nous permettra de modifier la texture pour le deuxième matériel et je vais venir brancher ici sur un texture coordinate. Voilà, je sauvegarde. On revient ici, on va créer un material instance qu'on va appeler mi underscore explosion. Et on va tout simplement changer la texture et prendre la texture d'explosion. Voilà, je sauvegarde, je peux fermer les deux et revenir sur mon effet. Alors, je vais ajouter un émetteur. Non, pas ça. Je vais ajouter un émetteur vide que je vais appeler Fire. On va se mettre en local. Comme pour l'autre, on reste infini mais avec un délai qu'on recalcule. On va en faire apparaître
un via un burst et un seul. Voilà. La durée de vie, je vais essayer 0,25. La couleur, on va prendre directement. On va la mettre jaune. Bah non, on va prendre le. Donc on va multiplier cette valeur. Cette valeur, on va aussi la multiplier par un float, je veux dire. Transformer en un float. Voilà. Et on ne veut pas multiplier l'alpha. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un vecteur pour le rouge, vert et bleu. Et je vais transformer ça en un float. Et ici, je vais mettre une valeur de 100. 2000 même. On va voir ce que ça donne. Et je vais venir brancher la couleur ici. Alors, sur mon sprite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon feu. Voilà. Si nous rouvrons notre texture, nous voyons que nous avons 6 par 6. Pour notre explosion après, nous aurons 6 par 6. Ça, c'est une bonne nouvelle. On pourra dupliquer. On va gagner quelques secondes. On va donc choisir ici dans le sub-UV pour se mettre en 6 par 6 et amortir. Adoucir. Au niveau des particules, on va aller chercher le sub image index. Voilà, on le récupère et on va l'utiliser pour le mettre à jour ici. On va créer une courbe. Donc 6 x 6, 36. Donc comme on démarre à 0, on se met à 35 et je vais faire démarrer à 10. Je ne vais pas faire démarrer à 0 parce que ça va être rapide. Voilà. Et au niveau de la taille, on va se mettre une valeur aléatoire non uniforme et on va mettre on va essayer entre 10 et 15, que ce soit assez petit. Voilà. Ouais, c'est assez petit, c'est pas mal comme ça. Par contre, je pense que ça brille un peu trop. On verra ça après. Et on va modifier la taille. Donc scale size et on va avoir le scale sprite size. Voilà. Type float. On va créer une courbe comme d'habitude qui va partir de 0 qui va aller à 1. On va faire en sorte que la courbe ait une croissance rapide. Voilà. Alors j'ai l'impression que ça brille un petit peu trop quand même. Voilà, 150, ça me paraît mieux. Voilà, regardons déjà ce que ça donne. Voyez, on a à l'appareil ici sur le côté, devant, enfin, juste au bout du canon. C'est peut-être un peu petit. Je vais l'agrandir. On va mettre entre 14 et 18. Je ne voudrais pas que ça soit trop grand non plus. Voilà, là, ça me fait pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter. Je vais essayer de brancher le color boost ici à la place. Et si on regarde ce que ça donne, voilà, comme ça on met tout à peu près avec la même luminosité, c'est plus propre. Voilà, celui-ci il est fait. On va maintenant copier-coller. On va passer à l'explosion. Voilà. On va changer, on va prendre le MI Explosion. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner selon la vitesse. Du coup, il va falloir lui donner une vitesse. Add Velocity. Donc, il va falloir ajouter le calcul des forces et des vitesses. Nous allons nous placer la vitesse dans l'axe Y, qui sera l'axe de la profondeur. Et on va donner une vitesse, je sais pas, on va essayer de mettre 20 par exemple. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer fortement vers l'avant cette valeur. Vous voyez, on a ici l'explosion qui part un peu vers l'avant. Par contre, je trouve qu'elle est un peu trop grande. Voilà, le sub-image, on va le mettre à 1.
Alors c'est certainement, c'est peut-être un peu trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais le diminuer, je vais le mettre entre 40 et 50. Ça me paraît pas mal comme ça. Et aussi, ici, je vais pas mettre 0,5, je vais essayer 0,65 de manière à le décaler vers l'avant, vous voyez. En fait, j'ai décalé le pivot du sprite. Hein. Parce que ça allait plus vers l'avant. 0, ça me paraît un peu trop. Voilà, 0,6, c'est pas mal. Voilà. Par contre, je trouve que les premiers flashs sont un peu trop grands. Donc, je vais diminuer la puissance de manière à diminuer leur taille. Comme ça me fait pas mal. C'est pas mal du tout, même. Et pour finir, pour que ça soit plus sympa, on va quand même ajouter un directional burst qu'on va retravailler évidemment. Alors, pareil, on se met en infini, on recalcule la durée et on met notre délai. Spawn burst, on va mettre une valeur aléatoire à chaque fois de manière à ce que ce soit pas trop répétitif non plus entre. Pourquoi est-ce que random range int, c'est mieux. On va se mettre entre 15 et 30. Voilà, c'est pas mal du tout comme ça. Au niveau, évidemment, on sera dans Y. En local, c'est parfait. On va mettre une force élevée, une vitesse élevée, avec un angle de 48, ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, on va diminuer la taille des particules et on va diminuer fortement la durée de vie. La durée de vie, on va mettre entre 0,1 et 0,2, de manière à ce qu'elle apparente vraiment pas longtemps. C'est pas mal du tout. La gravité, on va laisser, ça on va laisser. Et au niveau de la taille des particules, on va se mettre en 1, 1. On va même mettre 0,8, 1. On va mettre entre 0,8. Et elles me paraissent un peu longues aussi, donc on va mettre entre 0,8 et 6. Voilà. Au niveau de la couleur, on va multiplier notre couleur. Donc là, par contre, on va faire ça. On va vraiment mettre comme ça, un float. On va chercher notre couleur. Et on va regarder si on met le color boost, ce que ça donne. Et ben, ça me paraît pas mal. Regardez ce que ça donne. Alors, je pense qu'on peut augmenter la force. On va mettre entre 500, entre 600 et 1000. On va diminuer la gravité. On va mettre la gravité à 500. Paraît pas mal. On va augmenter aussi. 48, on va mettre 55. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre 0,5. Voilà, pour augmenter encore la variation. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce tuto. C'est pas mal. Si par exemple vous voulez changer la couleur, c'est tout bête. Vous avez simplement, vous pouvez même le faire directement depuis le blueprint. Vous choisissez ici. Où sont mes paramètres? Voilà, ici. Je vais par exemple mettre bleu. Et voilà, par exemple. Donc voilà, donc vous pouvez faire varier pas mal de petites choses. J'espère que ce tuto vous a plu. Et à la prochaine pour le suivant.